C'est quoi ce truc là? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, excusez-moi de vous demander de passer la parole. Au fait, vous savez, la toile, nous sommes des Africains. Oui. Je vais me présenter. Je suis le président de l'ONG Barracuda pour la paix dans le monde et le vivre ensemble. D'accord. Vous savez que le droit de la femme, notre couloir est de défendre le droit de l'homme. Oui. Voilà. Quand vous faites vos bœufs, nous, on n'intervient pas. Parce que nous n'allons pas venir nous mêler avec les femmes pour faire les bœufs. Mais là, il s'agit aujourd'hui, depuis quelques jours, je suis en train de. Nous avons collecté toutes les preuves que vous nous montrez sur Facebook D'accord. pour poursuivre, parce que c'est pas la Oui. rigolade. Parce que, excusez-moi, Amin quand même me connaît. Oui. Voilà, il sait comment je fonctionne. Quand on D'accord. s'attaque, les hommes qui s'attaquent aux femmes sur Facebook, moi j'achète ce problème D'accord. et je mets ça à la loi. C'est mon devoir. D'accord. OK. Permettez-moi, Je vous nous sommes des permets. Africains. Nous sommes des Africains. Je ne sais pas qui a fait quoi, qui a fait quoi. Mais quand on parle déjà que quelqu'un a payé les gens d'aller kidnapper quelqu'un, récupérer même ses téléphones, c'est déjà que payer pour aller s'attaquer aux gens, je vois Intimider des la gens qui viennent personne. ici. Oui. Voilà, je vois des personnes qui viennent ici gesticuler. Sachez, excusez-moi, que j'ai déjà alerté les autorités françaises et suisses. C'est notre devoir, pas Oui. pour faire mal. Parce que le monde va mal. Le monde va mal avec les terroristes partout, etc. Si ça avait que les gens, d'autres personnes payent des personnes pour aller kidnapper des gens au Maroc, cela veut dire, ça sera. Ça, c'est pas ce que vous parlez sur les réseaux sociaux là. Je suis Camerounais, Oui. sur l'Ouest. Alors, c'est notre devoir, c'est pas pour être contre X ou Y. Voilà. Et j'aimerais envoyer un message à la copine de Amin Kamer, que Amin Kamer m'appelle. Parce que c'est la même chose que Amin Kamer a fait à Marie-Paul Paul sur la toile ici. Moi, j'avais fait la même chose, mais quand j'ai appelé Amin Kamer à une bosse, il a compris, il a arrêté. Vous êtes D'accord. nos soeurs, vous êtes nos femmes, nous sommes les hommes. Vos problèmes vous regardent. Mais quand ça se passe comme ça, où est la dignité Quand pour il vous a vous? dit que compression, c'est le diable, vous n'avez pas compris. Là, voilà qui est en train de clasher Flore. Quand il vous a dit que compression, c'est le démon. Hein? Vous avez compris? Vous avez vu? Les abeilles, vous qui me détestez là. Vous avez dit que je ne sers à rien, non? Que ma foule n'a pas besoin de moi, non? Venez défendre. Là, voilà qui est en train de massacrer tout ce que Flore est en train de subir aujourd'hui au Chiga, machin. Quand les gens font les directs, vous venez là en faux profil. Hein, du gamin, Flo, on n'a pas besoin de toi. Là, là, là. Voilà, compresseur, il est avec son camp. Voilà, compresseur avec son camp, il est en train d'attaquer Flo. Hein. Et même ça, vous avez dit que non, c'est les amitiés, une place. Vous voyez, l'hypocrite qu'est compresseur. La seule fois où Flo met sa bouche, pour trouver une solution, regardez comment il se comporte. Les abeilles, là, venez m'attaquer. Il veut vous bloquer sur ma part. Regardez tout ça. Tout ce qu'il vous a dit. Quand vous avez dit qu'il y avait des gros coups montés contre Flore avec la bande, là. Amin Kamer était là aujourd'hui en train de dormir. Il ne dormait pas. Il est couché au chic en train d'insulter Flore. Vous, les abeilles, il dit qu'il voit l'abeille sur ma part. Il bloque. Et si Flore t'a demandé de venir la supporter, hein, tu es un trait, tu es ceci. Regardez, regardez. Ça, là, il vous est prévenu. Quand je suis en train d'atomiser compresseur depuis, vous êtes en train de faire quoi? D'ailleurs, même, je ne veux pas. La personne qui ne partage pas ma vidéo ne commente pas ici. Vous êtes parti lui donner 5 000 vues hier. Elle est devenue folle. Je vous avais dit ça depuis. Ah, on dit Flore, méfie-toi. Elle dit non, c'est mes yams. C'est mes crocs, c'est mes quoi. Même Lolo lui a prévenu. Elle n'a pas écouté. Ce n'est même pas encore mon direct. Hein. Ça, c'est à peu près. Compression, c'est une démon. On a dit Flore, méfie-toi de la fille là. Tu dis que tu peux entrer dans les problèmes. Même là-bas, arrangé, comme c'est Le gâté, monde la quitte une entier fois. et les services secrets français, suisses. Elle est en train de former son gang. Hein. Là, là, là. C'est son gang qu'elle est en train de former comme ça, là. Donc, et maintenant, les histoires de Voice. Les histoires de Voice avec Flore vont sortir. Moi, je suis un technicien de la toile. Je vous avais déjà dit. Hein? Jugo, pour moi, je vais te bloquer dans mes directs. Hein. Tes commentaires dans mes directs ne me plaisent pas du tout. Voilà. Est-ce qu'on a le droit de Je vais te payer les autres bloquer pour dans aller mes nous faire lives.
maintenant en disant qu'on peut avoir la pour donner. La personne qui ne partage pas mon direct ne commente pas ici. Je ne vous veux pas. Voilà. S'ils veulent démentir, on va les montrer par A plus B que si c'est la réalité, c'est l'État. Il y a la loi. Voilà les coups montés maintenant des compresseurs. Voilà les gens qui sortent maintenant dans le noir pour compresseur. Vous voyez comment compresseur, c'est une hypocrite. C'est une connasse. Oshiga a insulté. Oshiga a insulté Flo aujourd'hui, fatigué. Compresseur fait une sortie, ce n'est pas son problème. Elle demande à Mère Kamel pour la renforcer. Hein? Elle est en train de demander plutôt à Mère Kamel. Avec Mère Kamel qui était là aujourd'hui. Qui était là? Vous jouez l'hypocrisie. Quand elle me dit que la toile avait l'hypocrisie là. La toile avait l'hypocrisie là. La toile avait l'hypocrisie. On me dit que le clan des bassards, les clans, le tribalisme des bassards, tu ne peux pas ça. Quand on dit que le tribalisme des bassards là, il ne se clash pas. Hein. Il pensait que compresseur devait sortir aujourd'hui. Je ne suis même pas prêt pour mon live. Je ne suis même pas encore, je suis pas encore prêt. Maintenant, là, regardez, allez regarder les commentaires. Tous les tribalistes pro-bassards, ils sont là-bas en train de la soutenir. Hein? Tous les, regardez. Dukamé, est-ce que ma faute à demander? Quand on dit que les gens comme nous, quand on soutient quelqu'un, la personne doit nous caresser. Comprenez un peu. Je n'entre même pas dedans. Moi, je regarde ça comme ça. Et vous ne savez même pas ce qui se passe. Mon direct n'a pas encore commencé. Mon direct, c'est tout à l'heure. Regardez l'hypocrisie. Regardez compression. Donc, il est allé, le petit est allé fort. Le petit a brutalisé. Ce qui fait que ça l'a. Flore, tous les gens qui étaient à côté de toi, les vrais gens, le bien, le bon. La fille, s'il ne va pas te laisser. Si tu veux continuer, elle a dit que ma soeur, ta vraie soeur là, c'est Lolo, là, va arrêter pour avec ta soeur. Bamileki, comme tu entends là, c'est ce qu'elle te dit. Va là-bas, tu appelles ta Lolo, là, vous mettez les mains comme ça, là, contre la sorcière qu'on appelle compresseur. Si tu veux, va encore te plier là-bas, c'est des mendiants. C'est des mendiants. Tu es une femme, tu es en train d'évoluer, une femme est derrière, tu dis que ma copine. Regarde ce qu'elle fait. Alors, au moins, ne faut pas. Tous ces gens. Tous les gens autour des compresseurs t'insultent. Elle ne dit rien. Amen, Kamer, il a fait semblant de dormir aujourd'hui. Sanga de te laver. Flo, moi, je ne vais pas te mentir. La fille là, Oshiga, ce qu'elle t'a fait aujourd'hui là, était au travail. Le mépris total. Tes abeilles n'ont pas cotisé pour Amen, Kamer. Elle a donné l'argent à Amen, Kamer que tu as donné. C'est grave. C'est grave. Donc là, maintenant, sur Facebook, il y a les lieutenants qu'on caresse, Flore. Toi, tu laisses comme insulte les saletés de Kamala m'insulte, tu ne parles pas. Hein? Regarde, compresseur, comment elle te mange. Tu es parti juste chercher la vérité. Tu n'as pas mal fait. Tu as dit, donc tu dois la supporter. Elle veut te rendre tinda que tu vois la vérité. Donc, elle veut enterrer mes sangs avec toi. Tu n'as même pas le droit d'être libre. Vous voyez des alliances machiavéliques? Tu vas partir te plier encore avec cette mendiante-là? Amor, j'adore la vérité. Hein. 2024, j'ai dit qu'il n'y a pas de Tinda. Les petits Tinda, le blog maintenant, c'est pour ceux qui ont les couilles. Les Tinda n'ont pas place dans le blog. Regarde, compresseur, on t'a prévenu que compresseur, c'est un déchet. On t'a prévenu depuis. Et là, ça ne fait que commencer. Parce que vos échanges, vos voices, vos histoires, elle va sortir ça. Et j'ai dit l'autre jour, ce qu'elle a fait à mes sangs. C'est que compresseur a fait à mes sangs. Ah non. Elle est en train d'appeler avec Amé Kamer. Elle appelle Amé Kamer. Elle appelle l'abbé Samé. Donc, voilà, elle a resserré les liens. En ce moment, Flore, tu as qui? Tu as les gens dans le noir. Tu as les gens dans le noir. Les gens dans le noir ne sont pas. Les gens dans le noir, ce n'est pas la force. Hein? Parce que toi, tu simplifies tes gens qui mettent leur tête comme les noussis. Quand une saleté comme Bopi m'insulte, Flore, tu l'as dit à Bopi, que n'attaque pas Dukamé. Tu parles avant de mettre les cœurs. Pourtant, compresseur, je l'ai atomisé depuis pour te prévenir. Quand une sale chose comme Bopi m'insulte, tu ne peux pas. Tu fais la même chose que compresseur. Tu ne peux pas lui dire que Dukamé, là, ne l'attaque pas. Tu parles, tu mets les cœurs là-bas. 2024, ne vous mens pas, ça va être violent.
Oshiga qui t'insulte là, il la lave tous les jours. Je le rends malade, j'ai fait les parties voir sa mère, j'ai les dossiers sur Oshiga, je la plie en, je plie Oshiga en trois quand elle veut. Mais quand t'es saleté là, ben, parce que votre sale jeu que vous jouez sur Internet là, n'est pas, c'est-à-dire que on vous soutient, vous soutenez pas les gens là. Parce qu'il y a les gens dans le noir qui vous donnent l'argent là. Sachez que 2024 va être violent. Moi, je suis prêt. Oshiga, il peut te mentir, le clash que t'as fait était violent. Laisse les gens dans le noir qui dit qu'ils te soutiennent. Oshiga, ce que t'as fait, Flo, c'était du holélé. Montrez à mec, à mec, à mec, à mec, ne parle pas ici. Ça là. C'était violent. Regardez ce qu'elle fait. Là, Compression a préparé son attaque sur Flo depuis. Hein. Regarde les gens qui sortent. Elle a préparé, elle a travaillé ça. Vous qui commentez là, si quelqu'un n'a pas partagé, quelqu'un n'a pas partagé mon dieu, le blog, il veut même pas les gens qui me servent à rien. Voilà, moi, je vais vérifier. Quelqu'un qui n'a pas partagé le dieu ne commente pas, tu regardes la fenêtre. Il n'y a plus d'hypocrisie dans le blog. Il faut être vrai. Si tu veux être blogueur, tu es vrai. Tu dis la vérité. Et Flo voulait être vrai. Donc, Flo doit supporter Compression dans le faux. Et Compression, en retour, lorsque Flo a les problèmes, ne supporte pas. Mais... c'est-à-dire que il faut avoir le cardio pour être blogueur. Ce n'est pas les... Flo s'est fait laminer par Oshiga toute la journée. Le gars d'Amé Kamer. Compression, ça ne l'a pas dérangé. Elle n'a fait aucune sortie. Elle est restée muette. Mais quand elle entend que Flo est parti sur un terrain qui la touche, elle sort une mendiante comme ça. Là. Assez Rodrigue, tu es bloqué sur ma... Flo, on a besoin de personnes sur la ligne. Flo, on a besoin de personnes. Quand Oshiga lui parle là, elle fait une sortie de 4 heures parce que tu penses que les insultes ne la touchent pas. Il te bloque d'abord. Toi, tu connais quand on insulte quelqu'un. Oshiga fait sortir sur Flo. Tu as vu le nombre d'heures que Flo a fait le live. Vous pensez qu'elle n'est pas touchée. Tu viens avec ton faux profil me casser les couilles. Je te bloque. Flo, on a besoin de personnes parce que tu as un faux profil. S'il n'y a personne pour te soutenir sur Internet, tu penses que tu peux survivre. Si tu n'as pas une équipe. Mais l'équipe, là, il faut la respecter. Quand on insulte les gens qui te soutiennent sur Facebook, tu prends la parole, tu dis que lui, on n'insulte pas. Tu manques une bouffonne comme la lionne peut défendre Flo elle peut parler à Oshiga. La lionne peut défendre Flo sur qui? Sur rien. Si c'est les balles, la lionne là, le niveau est trop bas. Ça c'est les chaussettes, elle là. Elle peut parler à qui? Les balles à lionne là, tu peux faire un direct sur qui? La saluté de Mbopila, toi là, qui me parle là. Voilà. Là, c'est violent. Là, c'est très violent. Je peux vous garantir que la violence de 2024, des clashs, là. Je ne gère même pas la ligue, les sales gens, là. Les petits tintins qui ont le montant, là. On est sur les vrais dossiers. Oshiga, je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure. Je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure. Hein? Bobby, peut défendre Flo. Est-ce que je défends Flo? Tu peux parler Oshiga? Tu as vu la violence du clash d'Oshiga tout à l'heure. Oshiga était violente. J'ai jamais vu Flo aussi fâché. Et Flo, elle-même, elle n'écoute pas. On lui a dit, ne pars pas dans le dossier. Là, Lolo lui a dit. Lolo a dit, ne pars pas. Comme elle ne voulait pas écouter. Une mendiante comme ça, elle va venir te manipuler, Flo. Tu peux faire la paix avec quelqu'un, mais elle n'est pas ton amie. Hein. Tu es simplement allé demander la vérité. Parce que tu as vécu cette histoire. Tout le monde est dans la manipulation sur les réseaux sociaux. Peu de gens sont vrais. Et qui n'est pas vrai avec les gens subit. L'affaire est tombée sur toi. Ce n'est pas les directs des faux profils, tout ça. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, le blog a pris une autre dimension. Les gens n'ont même plus peur. Donc, il faut même plus dire que je vais afficher tel. Les gens n'ont pas... Une Oshiga, elle se publie seule, elle n'a rien à foutre. Lolo a dit à Flore, n'entre pas dans l'histoire, elle n'a pas écouté. Voilà sur deux tableaux. Oshiga est sur elle. Sa Yamseur, Compression est sur elle. Et les Bassa, voilà VP de Londres. Voilà VP de Londres qui prend sa soeur Bassa. Regardez ce qui va se passer. Voilà VP de Londres, il est entré dans l'affaire. Et dans le groupe des Bassa, là, il y a VP de Londres, il est derrière.
Ce n'est pas mon heure de direct. Je vais vous donner l'avant-goût parce que moi-même, je suis dans une violence maintenant. Pas possible. Le blog, ce n'est pas pour les gens qui mangent la bouche. Flo, il faut apprendre à valoriser les gens qui te soutiennent vraiment parce que tu négliges les gens qui te soutiennent. Tu es dans ce blog-là, dans ce blog-là. Tu ne peux pas permettre à un bopi de m'insulter, Flo. Jamais. Tu ne peux pas permettre à une sale fille comme ça de m'insulter. Elle m'insulte, tu n'oses pas lui parler. Te voilà dans la merde maintenant avec Compressor et le groupe des Bassards. Oui, parce que Compressor était là, tu vas encore aller arranger quoi ici? Tu vas aller encore arranger quoi ici là avec Compressor? Tu penses qu'une une déchet comme Bob, il peut parler à Compressor? Le pire même, moi je te dis, Flo, je vais te dire un truc. Pour gérer au Chica, ne pas parler dans les directs des petites filles là. Hein. Ne pas parler là-bas te gâter. Parce que si tu parles là-bas, ils vont insulter Ushiga, ils ne les calculent même pas. Donc, il ne faut même pas entrer dans les directs des petits trucs là. Là, ça dépasse le niveau. Là, les Bassalés, voilà les gens bloqués. Il y a un VP de Londres. Compressor, une hypocrite, une mangeuse d'ailes de poulet, mon frère. Il y a des preuves toujours qui sont. Mais les gens veulent qu'on le prouve comment. Maintenant, hier. Nous, dans notre direct, on n'a jamais prononcé le nom de l'île. Partagez-moi le live, là, les amis. C'est comment? Partagez le direct. Quand c'est le direct de la mendiante, par exemple, 5000 vues. Hein? Il dit, Flore, tu vas aller saluer ta soeur, Bamileke, Lolo, Eli, et faire que la paix avec elle. Parce que celle-ci, le tribalisme, c'est le réalisme. Le tribalisme des compresseurs. Aïe, aïe, aïe. Le tribalisme des compresseurs. Le tribalisme des compresseurs. T'as dit qu'il faut être technique pour voir ça. Là, les Bassas. Les Bassas se sont regroupés. Il y a peu de blogueurs qui disent la vérité, qui sont libres. Il y a peu de blogueurs vrais. La plupart, c'est les Chop Nanga. Il n'y a plus de Chop Nanga sur la toile. Quand tu es sur la toile, tu prends ta caméra, tu dis la vérité. Et j'étais à Flore que la fille, si t'as un gars, elle n'est pas loin de te trahir. Regardez comment elle trahit son frère. Elle pas de contrat. La première personne qui lui a donné le contrat, c'était Flore, 300 euros, avec la billeuse. C'est Flore qui lui a donné le premier contrat. Moi, je ne veux pas qu'elle se sépare, hein, parce que ne croyez pas que j'ai fait ça pour elle. Elle veut son les amis, j'ai rien à foutre. À qui de droit de dire la vérité? Voilà, pour l'instant, Flore m'a jamais manqué de respect, moi je la respecte. Voilà, Flore m'a pas manqué de respect, moi je la respecte. Mais quand on m'insulte, Flore ne me soutient pas. Je fais une analyse plane de l'histoire. Mais mon vrai direct là, okay, je suis en train de charger. Voilà, une bopi saleté ne peut pas m'insulter. Flore, tu regardes ça. Moi qui ai été dans ta voiture, moi qui étais près de toi, tu laisses la fille là, elle est là, elle m'insulte. Parce que Oshiga, moi, il finit Oshiga. Oshiga, c'est mon dossier que j'ai mangé ça, c'est-à-dire que je peux passer un coup de fil à la mère d'Oshiga ici, là-bas, Madeleine. Je peux terrifier Oshiga à toute heure, cette saleté-là. Mais quand toi, Flore, je te soutiens, les gens m'insultent, même ta copine. Maintenant, c'est entre vous. On peut être des spectateurs, mais ça va être violent, je peux te garantir. Voilà, ça va être violent sur toi. Va regarder. Regarde les insultes dans le direct des compresseurs. Flore, on a été insulté là-bas. On a été insulté là-bas. Correctement et bien. Regarde. VP de Londres, il est entré en action. Les Bassas, compresseurs, c'est... Attends, je vais vous dire, compresseurs, c'est la figure des Bassas dans le blog. Elle est bête comme ça, là, mais les Bassas la soutiennent. Et les Bassas, ils ne voulaient même pas cette amitié. Ils ne voulaient même pas cette amitié, les Bassas. Donc maintenant, on vous dit que nous, on démantèle le gang tribal des Bassas sur Internet. Faut écouter les autres que laisser, les gars, moi, que laisser pleurer en dehors de tout ça. Quand Oshiga était en train de la dévorer là-bas, tu étais là. Quand les gens comme nous, on coche Oshiga nous par la bouche. Voilà le gang des Bassas, des filles, ils sont déjà là. Peut-être faut que je vous résume ce qui se passe. Voilà.
Ce qui se passe ici, c'est que, au-delà de vouloir toujours généraliser les choses, on vient de rompre une étiquette d'un peuple, de tout un peuple. Le mythe de tout un peuple vient de tomber dans l'eau. Et là, c'est que vous ne savez pas, moi je suis un grand analyste, et ils ne vont plus parler de mes sangs. C'est Flo qui va payer les pots cassés et tout ça. Et moi je vous dis, eux là maintenant, ils vont gérer que Flo. Hein. C'est ça les commentaires. Depuis, ils ne parlaient pas de mes sangs. Ils n'avaient pas le courage de parler de mes sangs. Les gens des compresseurs. Les gens des compresseurs, ils ne parlaient pas de l'histoire de mes sangs. Bon, maintenant, c'est Flo qui est leur sujet. Hein? Mais moi, je vais vous faire vivre. Pour vous dire que je vais vous faire vivre ce qui s'est passé quand on a accusé Flore d'avoir envoyé, les gens tuer l'abbé Samé. Je vais vous faire vivre ça tout à l'heure. Partagez le live. Vous allez comprendre ce qui s'était passé quand on accusait Flore a raison d'entrer dans ces problèmes. La sortie de papy de Longchamp hier est maladroite, elle est mensongère. Et on va suivre ça. Papy de Longchamp vient dire que non, que c'est une abeille, il vient les mentir. On ne ment plus. En tant que blogueur, il n'y a plus de mensonges. Regardez, écoutez VP de Londres. Depuis qu'il y a la fête, mais sans VP de Londres, il ne parle pas. C'est son frère Bassa. Mais quand Flon entre en scène, VP de Londres sort. Hein? Voilà VP de Londres qui sort maintenant parce que il y a une, ce qu'ils appellent, eux, ils disent que c'est les métubes. Maintenant, là, comme il y a Flon est venu entrer dans l'histoire, Lolita est là-dedans, ils ont tribalisé. C'est déjà une histoire tribalisée, ils ne vont plus gérer mes sangs. Ils vont maintenant gérer les Bamileke, ils vont gérer Lolita la baronne. Adama. Ah. Toi, Léla Péry, je te bloque. J'aime pas les commentaires stupides. Ceux qui commentent, ceux qui n'ont pas partagé mon direct, je vous bloque. Voilà. Ici, là, on contribue. Chemou, les bassins, il y a un truc qu'on appelle le mbac. On ne traverse pas le sang du frère parce que ça peut te causer une autre maladie qu'on appelle le mbac. Et quelle maladie qui peut tuer? Parce que c'est une maladie qui se lie au sang et même ta génération suivante, ça suit. Alors je me pose bien la question de savoir que nous sommes dans quoi? Depuis que je suis en train de me poser cette question, je ne peux pas mentir. Moi, le grand frère m'a bloqué. Jean-Louis m'a bloqué. Pourquoi Jean-Louis me bloque? Je ne sais pas. Même parce que tu ne parles pas dans son sens. Non, je ne peux pas aller dans son sens parce qu'il est dans le faux cop. C'est pour ça que t'as bloqué. Je te fais comprendre pourquoi t'as bloqué. Il est dans le faux cop. Tout le monde est dans le coin. Moi, les gens peuvent être fous comme ça. VP, depuis que tes frères sont en train de s'entretuer, tu as une page qui a une grosse forte visibilité. Est-ce que tu as allumé un direct pour appeler tes frères pour arranger ou tu as essayé de faire quelque chose? Regardez, je vais vous faire vivre quelque chose. Partagez le direct. Si vous n'êtes pas assez nombreux, vous allez voir le film de la dernière. Je vais vous montrer ce qui s'est passé quand on a accusé Flore d'avoir commandité l'arrestation. La mort de Samé, la dernière fois. Le film, là, il va vous montrer ça. Vous allez voir ça. Quelqu'un demande ses livres, combien? Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Vous allez voir quelque chose. Salut, ma générale Thérèse Tiamale. Ouais. Continue. Est-ce que je vais avoir ça ici, cette image, là, bon sang? Partagez le live. Vous allez me donner aussi cette visibilité-là que vous donnez aux gens-là. Voilà. Et quelqu'un commente ici, il n'a pas partagé le direct, je le bloque. Je bloque toute personne qui commente ici sans partager mon live. Nous tous là, on va avoir la visite de vos sales histoires-là. Je vais vous montrer une vidéo, vous allez comprendre ce qui s'est passé la dernière fois. Voilà Flo qui est allée dans le direct. Elle est partie dans le direct là. Elle ne comprend pas toujours. Deux secondes. Voilà. Ce problème s'est commencé, ça n'a pas commencé sur sa mère. Mm-hmm. Moi, j'ai parlé de ça. J'ai pris la place de la grande sœur.
Flore, voilà l'erreur qu'elle commet encore d'aller dans le direct là, alors qu'elle s'est fait insulter là-bas. Mon frère, elle s'est fait laminer. Parfois, il faut être calme. Là, voilà encore dans le direct des gens là. On va la madouiller. C'est une fille qui elle a la visibilité, elle a l'argent. On va la madouiller et ça va reprendre. Compression était impulsive. Réaction de Flore, elle sort direct. Elle ne tarde même pas. Pourtant, là voilà, elle courait pas dans le direct. On l'a insulté aujourd'hui, elle a eu des problèmes aujourd'hui. Regardez-moi ça. Je n'ai même pas le courage, je vais même parler d'autre chose. Là voilà dans le direct maintenant. Et elle va dans le même direct où sa copine a laissé qu'on l'insulte correctement. Parce que on a été l'insulter. Elle appelle sa mère de ne pas prendre Flo au téléphone. Regardez. Jusqu'à là, elle ne comprend pas encore. Elle ne comprend pas toujours l'affaire ici. Là, voilà. Hein, sérieux? J'ai appelé le grand frère. Je vous dis, ça, c'est quelque chose que je ne fais jamais. On m'était dit là, je passe voir avec Flo, mais tu ne savais pas. Mmh. Mais Flo, non, je ne savais pas. Voilà, avec toi. Ouais. Donc, c'est toi, je comprends. Mais tu n'as jamais dit, hein? Jamais, je ne peux pas. Je ne peux pas parler ça. Et tu as parlé, je non? J'ai appelé le vieux, je lui ai dit, grand frère, je parle en parabole à tout ce que j'en ai dit, mais je résume. Il y a une histoire quand tu es arrivé là. Et que je te vois où tu es en train d'aller là. Si les produits sont les produits de ta femme, sors de cette histoire. Laisse ton épouse dans ce canal. Toi, reste dans l'autre et gère ton couloir. Parce que ce que tu es en train de voir qui va arriver là, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, j'ai déjà vu où ça va arriver. Et sans vous mentir, c'est exactement ce que j'ai vu qui est en train de me verser la saleté sur le corps maintenant. Vous allez... J'ai honte. Je vous fais écouter autre chose. Mais le son, oui, mais à un niveau extrême, je vous dis la vérité. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais pas de l'autre compte. Je vais demander la parole. Quand cette histoire a commencé, moi, je ne comprenais pas bien. Et un jour, quand une personne m'a fait part, elle m'a dit que, regarde, les gens, tu sais, ton grand frère, c'est devenu mes gens. Tu sais, quand ça ne donne plus, n'est-ce pas, on laisse ça aller nous aussi. Et c'est ce que j'ai fait quand elle était au Cameroun, elle a fait un live et tout et tout. J'avais dit à son grand frère, je lui ai dit, on se connecte. Plus, non, toujours que ce soit même les pics, ne parle plus de ça. Compression, elle avait Amélie. Et son gars, il parle avant tout, nous tous. Moi, je ne suis plus là dans l'histoire, là. Je suis dans... Je ne suis plus dans les histoires. Écoutez cette vidéo. On va rigoler un peu. Bon. On se connaît. On se connaît. Non, toujours parisien. Toujours. Non. Moi, il ne suit plus. Hein. Celui qui veut partir, il les suit. Moi, il ne suit plus les fausses amitiés. Les amitiés de pacotille, là, il ne suit plus dedans. Écoutez l'histoire de l'abbé Samé. Écoutez Amel Kamel sur l'histoire d'Abbé Samé. Ça va retracer toute l'histoire quand on a accusé Flore. Partagez le direct. Si vous n'êtes pas sain, ça vous n'allez pas écouter. Je vous fais écouter un peu et je bloque cette vidéo. Vous allez comprendre quand Amel Kamel accusait Flore d'avoir commandité la mort de l'Abbé Samé. Vous allez écouter. J'étais même pas prêt. Je me suis même pas préparé. Vous allez écouter Amel Kamel quand il accusait Flore dans cette vidéo. C'est une exclusivité. C'est une vidéo qui date. Et voilà, c'est un pain béni. Écoutez très bien. Là, vous allez revivre le film de l'accusation de Flore. Elle-même, elle est partie. Non, il fallait qu'elle vienne voir ça. Elle allait comprendre ce qui est en train d'arriver à Messin. C'est qu'ils avaient fait la même chose. Donc, mettez les cœurs. Je veux voir le maximum de partage avant de vous montrer la vidéo aussi. Voilà. Vous allez voir très bien. On se connecte. Je vais m'avancer un peu. Je vais encaisser. On partage. Tant qu'elle ne nous donne pas les agresseurs de l'abbé. L'abbé Samé, si tu veux couvrir ta soeur. Je te dis, l'abbé, si tu veux couvrir ta soeur, c'est ton problème. Tu as mis le problème au marché. Maintenant, tes frères ont payé ça. Tu connais comment ça se passe au marché. Le prix que tu donnes, c'est pas comme ça que nous on paye. Tu es là, j'ai vu ton live tout à l'heure. Oui, l'abbé, j'ai vu ton live tout à l'heure. Tu parles de tout le monde, tu ne veux pas parler de Flore de Lille. C'est qui commande les abeilles? C'est pas Flore de Lille.
Tu dis non, c'est qui commande les abeilles? C'est pas Fleur de Lys? Donc moi, je ne suis pas dans les histoires de que non. Elle va nous dire, l'abeille qui a commandité ton agression, elle va nous donner le nom. Donc on a ici. On va maintenant partager le direct, c'est maintenant que le film commence. Vous allez voir le chapitre 1, ce qui s'était passé. Vous écoutez avec Amé en train de demander les comptes à Flore, que c'est Flore qui a commandité l'agression. Chaque fois, le même film. On va avoir les partages, les amis. Je veux 500 partages. Vous allez comprendre que ces gens, vous allez comprendre leur mode opérandi, comment ils opèrent. La bande là. Même Amé Kamé, il ne se souvient pas. Donc, Flore, tu es dans la fosse au serpent. Là, tu fais quoi, là, les expliquer quoi? Prends, reste un peu calme. C'est pourquoi on dit qu'une femme doit avoir quand même un homme dans sa vie hein, qui peut écouter. Mais tu ne l'écoutes pas. Tu vas te manger. Donc là même, tu as eu l'occasion. Moi, je ne veux pas ta séparation avec la bouffonne là. Mais moi, je te dis sincèrement que toi, il y a Oshiga qui t'attend de l'autre côté. Oshiga est en train de t'attendre de l'autre côté. Parce que Oshiga va te ramasser de l'autre côté. Il y a Compression qui est en train de te calmer. Ils sont en train de t'encercler là-bas. Tu as qui? Tu comptes sur qui? La Lionne? La Lionne peut parler là où il y a les gens-ci. Elle peut parler, on peut même écouter ce qu'elle dit. Elle qui on chie dans sa bouche, là, elle peut parler. Ici, là, c'est violent. C'est très violent ici, là, en ce moment. Partagez le live. Partagez le live. Je ne vois pas assez de partage. Hein. J'enlève les lunettes parce que quand il parle de foi, j'enlève les lunettes là. Tu vas nous donner. Oh, tu as parlé avec nous. Tu as parlé avec nous. Tu vas nous donner le nom des gens. Tu vas nous donner le nom de la personne qui a commandité. Non, on ne dit pas que c'est les appels. On met ça sous le nom de Foucault. Tu vas. En... Tu es le chef des abeilles, non? Vous avez l'habitude de dire que quand le Cameroun va mal, c'est Paul Biya. Que quand la base fait le désordre, c'est Kamto. Maintenant, Flore dit que tu as porté la responsabilité des abeilles. Tu veux te rendre ça. Il dit que je vais te rendre ça en conflit par Mleke contre Bassa. Tu veux te rendre ça en conflit. Ils ont encerclé sa mère, non, viens, on doit te faire la même chose. On doit te faire la même chose. Est-ce que vous écoutez? Donc, Amé Kamé voulait, il voulait agresser Flore. Il voulait commanditer l'agression de Flore. Mon frère, vous captez ou pas, vous captez pas, vous, là. Hein? Là, voilà qu'il organisait comme ça la capture de Flore. Vous comprenez pas? Il était en train d'organiser la capture de Flore, qu'on doit capturer Flore. On met le téléphone là comme ça. Je mets ça comme ça. On peut s'insulter dans les blocs. Si tu n'es pas courageux, ne viens pas sur le net. Si tu n'es pas courageux, n'insulte pas. Si tu n'es pas. Elle va encaisser. On partage. Tant qu'elle ne nous donne pas les agresseurs de l'âme. L'abbé Savin, si tu veux couvrir ta soeur. Je te dis, l'abbé, si tu veux couvrir ta soeur, c'est ton problème. Tu as mis le problème au marché. Maintenant, tes frères ont payé ça. Tu connais comment ça se passe au marché. Je vous rappelle, pour ceux qui suivent cette vidéo, que ça, cette vidéo, c'était le chapitre 1 quand ils ont accusé Flore de Lys d'avoir commandité l'agression de... Ils avaient déjà... quand ils ont... Ce groupe-là, cette mafia-là, ils avaient déjà commandité... Enfin, ils accusaient Flore d'avoir commandité le meurtre de Sané. Voilà, j'ai mis le téléphone comme ça parce que... Donc, voilà ce qu'ils avaient déjà fait. Voilà Amé Kamé en train de traiter... Écoutez très bien, Amé Kamé qui accuse M. Messan de... M. Messan de... Donc, il faut qu'on comprenne que, comment le gang là opère, Sané, vit de ça, il vit du chantage. C'est pas... La première fois. Partagez le direct, dis donc. Partagez le direct. Je ne suis pas votre boutou. Vous allez me donner, c'est les 200. J'ai rien à foutre avec ça. Voilà.
J'ai rien à foutre. Si vous ne voulez pas partager, je fais mon découpage, je mets là-bas. Je vous chasse. Le prix que tu donnes, ce n'est pas comme ça que nous on paye. Tu es là, j'ai vu ton live tout à l'heure. Oui, la B, j'ai vu ton live tout à l'heure. Tu parles de tout le monde, tu ne veux pas parler de Fleur de Lys. C'est qui commande les abeilles? Ce n'est pas Fleur de Lys. Tu dis non, c'est qui commande les abeilles? Ce n'est pas Fleur de Lys. Donc moi, je ne suis pas dans les histoires de que non. Elle va nous dire, la bête a commandité ton agression, elle va nous donner le nom. Nous connaissons ici. J'enlève les lunettes parce que quand je parle de voix, j'enlève les lunettes. Tu vas nous donner, tu vas parler avec nous. Tu vas parler avec nous, tu vas nous donner le nom des gens. Tu vas nous donner le nom de la personne qui a commandité. Non, ne dis pas que c'est les abeilles, on met ça sous le nom de Foukoui. Tu vois, tu es le chef des abeilles, non? Vous avez l'habitude de dire que quand le Cameroun va mal, c'est Paul Biya. Que quand la base fait le désordre, c'est Kamto. Maintenant, Floyd, tu as porté la responsabilité des abeilles. Tu veux te rendre ça. Il dit que je vais rendre ça en conflit parmi les quais contre Bassa. Je vais te rendre ça en conflit. Ils sont encerclés, ça, mais non, viens, on doit te faire la même chose. On doit te faire la même chose. On peut s'insulter dans les blocs. Si tu n'es pas courageux, ne viens pas sur le net. Si tu n'es pas courageux, n'insulte pas. Si tu n'es pas courageux, n'attaque pas les gens. Donc ce qui est en train de se passer là, où vous insultez, on vous laisse. Quand les gens répondent, vous voulez montrer que vous avez le monopole de la violence dans les réseaux sociaux. Vous, toi, Foukoui, avec les abeilles, vous voulez montrer que vous avez le monopole de la violence dans les réseaux sociaux. Fleur de Lys, Bamileke, je précise. Je précise que Fleur de Lys est Bamileke. Maintenant, le conflit, là, on va rendre ça Bamileke contre Bassa. Ça veut dire que je vous te dis, oh, c'est ce qu'on te dit, Fleur de Lys, tu vas nous donner le nom. Parce qu'il n'y a que toi que ça arrange. Parce que la paix, ça m'a insulté ta mère. La paix, ça m'insulte. Donc, si une abeille fait quelque chose, c'est toi qui donne l'accord. C'est toi qui donne l'accord. Donc là, 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 Abbé Sam, si tu veux, ne parle pas de Fleur de Lys, on n'en a rien à cirer. On n'en a rien à foutre. Si tu veux, ne parle pas de Fleur de Lys, c'est pour lui. C'est pour toi là-bas. Dis que ce sont les abeilles que non, on s'en fout. Anti-bestien. Tu vas nous donner le nom de celui, sinon ça va devenir chaussi. Tu as parlé avec nous. Hein. Tu as parlé avec nous. Il ne t'a jamais parlé comme ça. Là. J'ai observé. Parce que vous, les Bamileke, vous avez un problème. Vous n'avez pas le fair play. Vous, les Bamileke, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le fair play. La paix Sam Pierre, mon frère, m'a insulté. La paix Sam m'a insulté. Vous voulez que je vous remette les vidéos de la paix Sam quand il m'insultait sur le compte de Fleur de Lys? Mais jamais je n'ai menacé la paix Sam. Jamais. À aucun moment donné, je n'ai menacé la paix Sam. L'abbé Sam m'a insulté, il m'a traité. Vous parlez de quoi? L'abbé Sam m'a insulté ma copine. Je n'ai jamais répondu. J'ai encaissé. Je suis son vrai bassin. Hein. Il a habité un commando comme moi. Je suis son frère bassin. Mais l'abbé, c'est ma habitude. Quand bassin prend son frère pour laver, l'abbé Sam m'a traité. Dans les réseaux sociaux. Vous avez connu la période. Jusqu'à traiter ma copine. Traiter ma copine. Mais quand je venais, je disais, tu l'avais, ça me sait comment ça va, oui. Parce que quoi? Je suis fair play. Je suis fair play. Je ne peux pas attaquer la ça physiquement, tout simplement parce qu'il m'a insulté, parce qu'il m'a critiqué. Non. Si je n'ai pas envie qu'on m'insulte, je sors des réseaux sociaux. Si j'ai pas envie, si j'ai envie d'être tranquille, je sors des réseaux sociaux. Qui ne connaît pas comment la Bissa m'a traité dans les réseaux sociaux? Moi, son propre frère Bassa, au compte de Fleur de Lys. Au compte de Fleur de Lys. Aujourd'hui, toi, Fleur de Lys, toi, Foukoué, tu montes une agression sur la Bissa.
Maman, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Parce que moi, je vais apprendre, comme je ne suis pas en contact avec l'abbé Sam. Hein. Vous pouvez demander, moi, le contact avec l'abbé Sam. Parce que vous allez avoir l'impression que, oh, ça m'est quand même. L'abbé Sam, vous connaissez comment je fonctionne. Je regarde, je tire mon opinion. L'abbé Sam ne m'a pas envoyé. Parce que s'il y a un blogueur ou quoi, que l'abbé Sam a insulté dans les... Et le confinement, l'abbé Sam a fait son... Il dit que son cache-nez, l'abbé Sam a fait ça au nom d'Amir Kamir. Mais l'abbé Sam peut m'insulter comme il veut. Mais le jour où quelqu'un agresse l'abbé Sam, je deviens son premier défenseur. Là, 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 c'est Foucault qui a monté l'agression sur l'abbé Sam. Tu vas nous donner le nom de ceux qui ont... Donner le nom de ceux qui ont commandité. Parce que tu as fait l'enquête toi-même dans ton équipe. Mon enquête, mon bon Dieu, tu ne fais pas ça, on va te faire la même chose. Sauf que nous, on ne va pas venir cagouler. Non, on ne va pas venir cagouler. On est à Paris ici. On est à Paris ici. On ne va pas venir cagouler. Donc ce que tu as fait à l'abbé Sam, tu vas nous donner le nom des gars. Vous avez une habitude dans les réseaux sociaux. Vous parlez en genre, en parabole. Non, moi quand je viens, je donne le nom. Je ne vais pas parler que, oh non, j'ai dit, faut que tu es la seule personne que l'abbé Sam met mal à l'aise. Tu es la seule personne, il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Donc, à qui profite le crime, Foucault. Oui, Flore de Lys, à toi que profite le crime. Ne viens pas nous raconter les histoires que, oh non, non, non. Il dit que, tu as dit que quoi? Eh, tu ne connais pas le bassin. Tu ne connais pas le bassin. Non, oui, bébé, c'est longueur. Oui, bébé, c'est longueur. Oui, bébé. Tu dis que tu arrêtes quoi? Le clash dans les réseaux sociaux. C'est maintenant que nous, on se réveille. C'est qu'on attend que les gens sont essoufflés. C'est là que nous, on se réveille. Flore, la base ne me peut pas. Je ne pense pas que ce sont des petits abeilles. Là. On appelle même ça abeille. Les méta, quoi, là. On n'appelle même pas ça abeille. Ça ne peut pas. Ce n'est pas des bêtises là qui peuvent quelque chose. Là, je ne reviens pas. Là, je reviens pour quelque chose. Je suis contre. Je suis contre l'agression d'un blogueur. Parce qu'il a rebondi, parce qu'il a riposté. On est dans un game. Le terrain, c'est le net. Quand tu tailles là-dedans, tu rentres, tu prends les langues, tu reviens en force, tu tailles aussi. Il n'y a pas les histoires de que non. Quand la base me tailles, je m'en vais prendre mon rapport. Je reviens aussi en force, je les tailles aussi. C'est ça. C'est ça le game. Ce n'est pas le... J'ai marché à Paris. On va parler un peu. J'ai marché à Paris pendant la défaite du Paris Saint-Germain. J'ai fait les lives dans tous les Champs-Élysées. Tu crois que tu es plus que qui? Pourquoi les membres de la base ne sont pas quittés là-bas en sachant qu'Amer Kamer est aux Champs-Élysées? Allons agresser Amer Kamer. Pourquoi la base ne s'est pas levée pour venir m'agresser sur les Champs-Élysées? Pourquoi? Ils ne peuvent pas faire l'erreur là. Ils ne peuvent pas. Mais toi et tes abeilles, bête là. Toi, Foucault, bête là. Vous quittez. Pour mettre un petit mal à l'aise. Non. Vous allez comprendre que la famille est large. Que même les gens. Prends un peu de serviette là, s'il te plaît. Vous allez comprendre que derrière les gens, il y a des gens. Que même le gars que la paix s'en a insulté. Là, il a parlé à un genre, lui, c'est son problème. Maintenant, vous allez nous dire. Parce que dans ton entourage, la paix s'en a ici. Pourquoi ne cite pas les Amout? Amout n'est pas beau ailleurs. Amout n'a pas fait le beau. Pourquoi ne cite pas les gens qui pourraient commanditer ça? On peut soupçonner aussi Amouda Dedan. Pourquoi pas? Pourquoi on ne les soupçonne pas? On soupçonne tout l'entourage de Flore de Lys, en commençant par Flore de Lys. Merci. En commençant par Flore de Lys. Vous pensez que quoi? Qu'on va venir vous dire ce que vous voulez entendre? Hein? La violence, c'est les parmi les quais. Voilà encore ça. C'est les parmi les quais. Vous pensez que vous êtes... Non, vous observez. Personne n'a le monopole des réseaux sociaux. Personne n'a le monopole des réseaux sociaux. Personne. Oui.
Il y a les gens que non, on se clash dans les réseaux sociaux, mais violemment. Mes frères de la base là, frère Vignac, vous pouvez compter le nombre de fois que moi j'ai classé Vignac. Vous pouvez compter le nombre de fois que moi j'ai clashé Kamala, que j'ai clashé Calibri, que j'ai clashé Max. Mais tous les jours, je ne fais pas les lives ici dans Paris pour dire aux gens que voilà là où je suis, ils sont arrivés. Mais toi, Flo, tu penses que tu as le monopole de la violence. Tu veux qu'on te sait ça? Moi, je suis quand on dit que quelqu'un est habitué de la violence, ça m'est calmé. Quand on dit que quelqu'un est habitué de la bastonnade, ça m'est calmé. Demande au gars de la base. Ils vont te dire que lui laisse des patrons carrément de lui vient que je nous pour chercher les problèmes. Je suis un gars, je cherche les problèmes dans les réseaux sociaux, le feu sort. Oui, je suis au chômage. Là, 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 ils sont au chômage. Je ne prends le premier. Donc là, 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 mon travail, c'est de chercher les problèmes dans les réseaux sociaux. C'est ça qui est la vérité. Vous pensez que quoi? Que Flore Delis, quand ses soeurs Bamileke, quand ses soeurs Bamileke l'agressent, pourquoi tu n'as pas montré les agressions sur Lolo? Pourquoi tu n'as pas montré les agressions sur Demanou? Pourquoi tu n'as pas montré les agressions sur... Excusez-moi, je ne sais pas, c'est qu'au Canada là-bas. Pourquoi tu n'as pas monté les agressions sur... Le gars, s'il parle que des tribus, tribus. Oh là 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 là. Les Bamileke souffrent dans la main des gars. Et le voilà qui... Franchement, j'étais... Attends, je vais retourner la caméra. Ce n'est pas que j'ai forcément un clash avec le Gazi. Qu'est-ce que les Bamileke ont fait à ce Gazi? Toujours le nom de Bamileke. C'est-à-dire qu'il s'est fabriqué un nom de Bamileke et le voilà qui couche une fille Bamileke. Mon frère. Moi, il demande seulement. Il y a plus de 200 tribus au Cameroun. Comment tu peux seulement t'attaquer à une tribu? Écoutez bien l'histoire là. Il accusait Flore d'avoir commandité l'arrestation de... Il était en train d'accuser Flore. Vous comprenez pas ou quoi? Hein? Il est en train d'accuser Flore d'avoir commandité la mort de l'abbé Samé. Mais qui est l'abbé Samé là, déjà? Qui est l'abbé Samé? L'abbé Samé, c'est quelqu'un qui insulte, qui diffame les gens, qui détruit les réputations des gens. Parce que quand on parle de l'abbé Samé, il est là, un villageois, il est là comme ça, comme un enfant. Le mec a 30 ans. Il ne travaille pas. Hein? On va entendre l'abbé Samé. Parce qu'il détruit la vie des gens. C'est quand même raison de dire qu'on ne parle pas de Flore, fait ce qu'elle veut. Elle peut faire ce qu'elle veut. C'est son problème. Mais j'ai envie de lui dire qu'elle est entourée. Elle est là, entourée des vipères. C'est parce que tu es connu, Flore. Si tu peux pas, les gens-là, ils ne peuvent pas s'entourer de quelqu'un dont tu ne peux pas profiter. Ils ne peuvent pas. Ils sont entourés de toi parce que là, ils te contrôlent. C'est les bassins qui te contrôlent. Je suis désolé. Ils t'ont encerclé bien même. Amène quand même Flore, tu es incapable de lui parler. Moi, je veux, même dans le clash d'Oshiga. Hein? Ah là là, toi, Linda, machin, là, tu es bloqué dans mon live. Laisse Flore en paix. T'es malade. On t'a dit que je suis un blogueur de paquetier. Je parle de Flore, bien sûr. T'es ouf, toi. On t'a dit que je suis un blogueur de Chinda ou quoi. Je parle pas des gens. Dans le clash avec Oshiga, moi, je vais te dire la vérité.